Hello mon saillon, c'est Kizu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Assassin's Creed 4 en mode multijoueur cette fois-ci. La dernière fois, vous vous rappelez, je me suis battu contre les 4 empereurs des mers. Et aujourd'hui, je vais me battre contre des 4 moussaillons des coins du monde. Voilà, 4 coins du monde des moussaillons, enfin bref, je me suis perdu. Donc voilà. Et donc aujourd'hui je fais un petit peu cette vidéo pour déjà me détendre un peu. J'avais envie de faire une petite vidéo détente. Et puis aussi répondre à deux ou trois questions qui m'ont été posées par Franck sur ma vidéo spéciale 200e vidéo. D'ailleurs je vais envoyer, et pour répondre à ces questions-là, vaut mieux que je joue en mode chasse à l'homme, comme ça j'aurai un peu de temps devant moi et peut-être avec un peu de chance. Avec un peu de chance, je buggerai un peu moins au niveau de mes neuronates. Donc voilà, mes neuronates. Oui, j'ai inventé un nouveau mot. Au lieu de dire neurone, j'ai dit neuronates. Voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, ça commence bien cette partie avec tous ces prestiges là, 44 au couteau killer. Ah bah j'espère que c'est pas comme dans Ken le survivant, le mec il va, tu vas mourir dans 3 secondes, genre tu vois, il te fout un doigt dans le cul et tu meurs, tu éclates de partout, il y a de la merde partout. Enfin bref, je divague, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc en plus, je suis contre au couteau, killer. Donc c'est pas cool. On va voir. Donc là, je suis 3. Ok. Merde. Pardon. Ah bah voilà. Ça commence bien cette vidéo, c'est tout à fait ce que je voulais faire, c'était de dire mourir par celui qui était niveau 99. D'ailleurs je crois que c'est un bug. Je pense que c'est un bug. On est en train de gagner. Ce n'est pas grâce à moi, ça c'est sûr. Donc voilà, vous avez vu que peut-être j'ai mis la nouvelle intro qu'on m'a faite, qui a été faite d'ailleurs par Gilux09. Je tenais à le remercier sincèrement. Parce qu'il me l'a proposé de bon cœur, je lui ai rien demandé et lui il me l'a gentiment fait. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment un sacré pote. Donc voilà. Et je tenais vraiment sincèrement à le remercier pour cette intro. D'ailleurs, il m'a aussi fait une outro, mais celle-là, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Je vais un petit peu regarder comment je vais faire. On verra ça par la suite. Donc voilà, bon, j'ai gagné, hein, j'ai aucun mérite, j'ai tué personne, je me suis fait tuer une fois. Donc voilà, bon. On va recommencer une nouvelle partie, hein, de toute façon. Donc voilà, ça c'était pour les remerciements. D'ailleurs, je mettrai en lien sa chaîne, et puis je crois qu'il a aussi créé une nouvelle chaîne pour l'art graphique, il me semble, avec un pote à lui. Je lui demanderai de toute façon, ouais, je pense que je vous les mettrai d'office. Donc voilà. Alors, on va dire qu'on est prêt. Donc, préférence de carte, je vais prendre. Celle-là, elle est pas mal. J'aime bien ce clou-ci. Donc voilà, et puis j'avais 3 questions donc de Franck, je crois qu'il y en a 3, dans un roman fleuve qu'il a écrit sur ma vidéo. Alors la première question est, as-tu déjà fait des rage quits? Alors, je vais peut-être en décevoir certains et puis ou pas, donc je m'en fous, je vais simplement dire la vérité. Oui, j'ai déjà rage quit. J'ai déjà rage quit sur du Call of Duty, ce qui est tout à fait. Je crois que c'est la norme. Hein. Si tu n'as pas rage quit au moins une fois dans Call of Duty, c'est que tu n'es pas humain. Tu dois avoir un Bouddha à l'intérieur de ta tête, ce n'est pas possible. Donc voilà. Mais après. Il y a des gens qui disent tu quittes au milieu de la partie, c'est un rage quit. Pas forcément, j'étais enragé, donc voilà. J'avais pris mon vaccin anti-rage.
J'étais pas forcément en mode rage, j'étais simplement, je me disais, des fois je me dis, bah par exemple, typiquement, ouais, bon bah là, c'est perdu d'avance. Aujourd'hui, je suis pas en forme, je joue vraiment pas bien, Première bah ça manche. sert à rien de rester dans la partie. Ou alors, L'objectif typiquement, est de rejoindre vos il y a cibles. aussi, Trouvez les armes de donc, mes sosies. Un joueur alors, acquis je vais les mettre sentient. ça. Et tuez-les. Typiquement, il y a aussi quand ah bah il a déjà été empoisonné, donc voilà, c'est bon ça. Alors, on peut monter sur les palmiers et tout, c'est Le nickel ça. joueur a rejoint la partie. Donc comme je disais, ouais, Quittez-les. typiquement quand vous avez par exemple une équipe en face qui est en train de tricher, de faire vraiment de la triche, franchement, vous avez qu'une envie. Vous Trouvez avez les armes qu'une du jeu. envie, c'est Place, votre équipe est pris à terre. Vous avez été Merde, éliminé. putain, je me suis dit peut-être que je vais tenir longtemps, mais non, finalement. Bien joué. Bien joué. C'est ça de coup de grâce. J'ai adoré ce coup de grâce d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs de. Un nouveau joueur a rejoint la session. Alors, attendez, je vais essayer de Un rattraper joueur l'autre a là. quitté la session. Parce que là, typiquement, je joue comme Le une. joueur est Oh éliminé. le bâtard, putain, je l'avais pas vu lui. Ah là là, tu vas crever maintenant. Citoyen tué. Merde, 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 merde. Il est là-bas. Il est. Non, il est pas là. Il est là. Ouais, tac. On va attendre tranquille. On va attendre. Ah. Ils jouent bien quand même, hein, ces gars-là. Ces gars-là de. Merde, j'ai plus Un de. joueur a quitté la Voilà, session. moi je joue très mal aujourd'hui. Bon, ça fait Un déjà nouveau joueur quelques a rejoint semaines. la session. Un nouveau joueur a rejoint la Ah. session. Merde, putain! Un joueur a quitté la session. Alors, je sais que typiquement. Non! C'est pas possible, putain, il y a un bug! Oh là là! Bah typiquement là j'ai envie de rage quit. Je rigole. Ouais, par exemple, bah quand vous avez le. Comment ça s'appelle? Ah putain, je sais plus. Que la connexion elle bug, bah vous avez typiquement pas envie de faire des parties en ligne, donc bah forcément vous allez peut-être rage quit. Franchement les mecs en face ils sont vraiment balèzes. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment très très balèzes. Là typiquement j'ai vraiment pas le niveau face à eux. Je tiens pas la route. Bon, de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Peut-être que je vais pouvoir me rattraper en mode. Un crève. Voilà. Il reste une minute. Voilà, c'est bon, nickel. Donc je vais peut-être pouvoir me rattraper en mode défense. Espérons-le. Bah, sinon, bah, ça sera ma pire partie. Sur Assassin's Creed 4, et j'espère que vous me pardonnerez, hein, c'est. Un joueur a quitté la Typiquement, on session. peut pas être toujours bon. Merde, j'allais l'avoir! C'est pas juste!
Tiens, deux coups de poing dans tes dents, ça t'apprendra. Ah bah il l'a eu. Bon bah moi je vais faire que des coups de poing comme ça dans les dents, histoire de remettre les dents en place. Donc voilà. Je ferai les questions suivantes. Non, c'est pas lui. Donc bah typiquement j'en ai tué deux. Ah quand même. Je croyais que j'en avais tué moins. Mais finalement j'en ai tué quand même plus. Mais les mecs en face sont vraiment très très forts. J'ai vraiment beaucoup de mal, donc je m'excuse par avance de mon niveau médiocre. Bon, après je joue hein, vraiment pour le plaisir, et là je suis vraiment en mode détente, hein, je suis vraiment pas pour jouer sérieusement. Donc on va voir comment est-ce que je me débrouille un petit peu en mode défense. Alors, ah, là il y en a un déjà. Voilà, déjà le rien, comme ça, c'est nickel. Un, et je cours très vite, je fais la méthode Vral, hein, typiquement là je fais la méthode Vral. Ça c'est la méthode Vral, c'est-à-dire vous courez et vous priez pour qu'on vous retrouve pas. Donc voilà. Là je vais me mettre parmi ces zombies. Donc voilà. Et pendant ce temps, je vais regarder juste mon portable furtivement histoire de prendre la deuxième question qui m'a été posée. Alors c'est quoi la deuxième question? Est-ce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont critiqué? Alors, je ne sais pas si... ah bah voilà, typiquement je regardais mon portable, donc j'ai pas vu le gars Psycho Puzzle me tomber dessus. Donc voilà. C'est pas normal. Je vais me plaindre. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, s'il y a des gens déjà qui m'ont critiqué dans la vie, oui, c'est certain, il y en a beaucoup. Après, pour ce qui est dans les vidéos, oui, c'est arrivé. Il y a des gens qui ont critiqué, mais bon, après, voilà. Le plus souvent, les critiques qui reviennent le plus souvent, c'est surtout sur ma façon de commenter les vidéos. C'est-à-dire que, bah, je suis pas super énergique. On dirait que j'ai fumé de la bœuf. Ah bah voilà. Ah putain, il m'a vu. Il m'a vu, l'enfoiré. Moi j'ai cru qu'il m'avait pas vu, mais finalement il m'avait vu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc ouais, aujourd'hui, typiquement, je joue vraiment très très mal. Bon, bah ça arrive, hein. Je ferai une on va dire une deuxième partie par la suite, deuxième partie de ce match par exemple, histoire de voir si mon niveau est toujours aussi merdique. Ah merde, putain, j'ai leurré en plus. Mais le gars, il est parti loin et je suis en train de me faire mais gentiment botter les fesses. Donc voilà, on va se mettre là, tranquille. Là. Putain, non! Putain, c'est pas vrai. Ah mon dieu, mais c'est pas possible de jouer aussi mal. Donc oui, il y a des gens qui m'ont critiqué, Franck, c'est arrivé. Et comme je disais, hein, typiquement, les gens qui m'ont critiqué, c'est surtout sur ma façon de commenter, c'est-à-dire que je parle assez calmement, je suis pas super sous extasie et sous acide en train
de crier à tout bout de champ, genre ouais, je suis le plus beau, je suis le plus fort, j'adore, voilà, je fais des blagues à tout bout de champ, etc., etc. Non, je fais des blagues de temps à autre. Mais putain, mais c'était à moi là. Ah bon, ah d'accord. Là, c'était une confusion, une vraie confusion. Bref. Et donc voilà, c'est souvent arrivé ça comme ça. Sinon, on m'a aussi critiqué sur ma façon d'être. Enfin, bref, il y a eu un tas de choses. Après voilà, ça dépend. Ça dépend typiquement, par exemple, de... Vous avez été très bons, les gars. Là, les mecs, ils ont été très bons. Ah, bah, surtout le premier, 10 100 points, il nous a massacré. Enfin bon, donc là, je vais partir. Parce que là, je joue vraiment comme une merde. Ça, c'est le cas de le dire. D'habitude, je suis beaucoup plus fort que ça. Mais là, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis pas dans un très bon état, donc faut dire que ça fait plus ou moins un mois que j'ai pas touché ah putain, je peux pas bouger, qu'est-ce qui se passe encore, ah voilà, ça fait un mois que j'ai pas touché à Assassin's Creed, donc forcément je suis moins bon, donc voilà. Et puis voilà, il y a aussi eu des gens qui m'ont critiqué sur mon niveau de jeu, par exemple sur Assassin's Creed. Il y en a certains qui ont dit que bah ouais, t'es pas bon, oui, c'est clair, je suis pas le meilleur joueur du monde, ça c'est le cas de le dire. N'est pas avoir honte de ma façon de jouer ou autre. Pardon. Après voilà, hein, chacun son niveau, chacun sa façon de jouer, chacun son style. Et donc voilà. Après, franchement, ce genre de critique, ça me passe au-dessus de la tête. Pour moi, un jeu vidéo, ça reste un loisir, ça reste un amusement, et en aucun cas je me prends la tête ou je me prends au sérieux quand je joue aux jeux vidéo. Loin de là, je me fais vraiment plaisir. Typiquement, j'essaie de me détendre. Voilà. Bon. Allez, je vais prendre Pépito. Donc je prends Pépito et puis on va jouer en mode deathmatch, en espérant que ça se passe un peu mieux que le mode chasse à l'homme. Décidément aujourd'hui je suis vraiment pas en forme et c'est des choses qui arrivent. Pour ce qui est de la la troisième question qu'il m'a posée, c'est: dans la vie, es-tu une personne qui fait passer sa famille avant tout le reste? Alors oui. Pour moi, typiquement, ma famille, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, je veux dire, il y a pas plus. Non, c'est pas elle, c'est une autre. C'est elle. Ah non. C'est elle là, qui est par terre. Justement, les nouveaux personnages, j'ai du mal à les reconnaître. Ah putain, mais c'est pas vrai. Décidément, aujourd'hui, c'est pas ma journée, quoi. Eh ben, dis donc. Alors, où est-ce que... Voilà, elle est là.
Elle est là, tranquille. Vous avez été... Oh, mais c'est pas vrai, on peut plus éviter les gardes du corps maintenant. Putain. Avant, on pouvait appuyer en appuyant sur un bouton. On arrivait à éviter les gardes du corps sans les avoir à les tuer, quoi. Et là, je me suis fait avoir comme un débutant, quoi. Alors, où est-ce qu'il est, cette espèce de trou du cul de machin de merde? C'est que je le vois pas, quoi. Peut-être qu'il est là-dedans. Non, il est pas là-dedans, il est là. Alors, on va voir. Il sait que c'est moi, de toute façon. Ah non, même pas. Je crois qu'il savait que c'était moi, mais... Mais non. Donc oui, je fais toujours passer ma famille avant tout. Pour moi, ma famille est très importante. Donc voilà, moi je fais passer ma famille avant mon travail, avant les jeux vidéo, avant beaucoup de choses. Donc voilà. Ah putain, vraiment aujourd'hui je suis vraiment une merde, quoi. Ah mon dieu. Donc voilà, c'est pas possible d'être dans une forme pareille, quoi. Enfin bon. Et puis la dernière question est: prends-tu toujours autant de plaisir à faire des vidéos pour tes abonnés? Alors écoute, en tout cas pas celle-là. Ah, je sais que c'est toi. Il est parti en courant. Il savait que j'étais là. Allez. Voilà. Au moins, t'auras juste la moitié des points. Oui, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Après, je les fais pas forcément pour les abonnés, je les fais pour moi. C'est un conseil, si je dois donner un conseil aux gens dans la vie de tous les jours. Faites les choses pour vous avant tout et pas pour les autres. Faites-les vraiment. Ah putain, faites-les vraiment pour vous. Faites-vous plaisir et vous prenez pas la tête. Ça ne sert à rien, la vie est trop courte. Il faut vraiment se faire vraiment plaisir, quoi. Je sais que c'est toi le. Non. C'est lui. Alors, moi je vais rester là. Parce que de toute façon. Tiens, enfoiré. Donc voilà. Et un autre poursuivant derrière mon cul. Ça doit être. Non, je me suis trompé. Donc voilà. Je vais juste voir combien de temps ça fait que je fais la vidéo. Allez, va. Je fais une partie de plus. En espérant que cette fois-ci, elle sera bonne. Parce que franchement, cette fois-ci, je vais me concentrer. Je vais mettre vraiment mon casque dans mes oreilles. Je vais augmenter le son. Et je vais essayer de faire une bonne partie. Parce que là, c'est pas normal. Je joue comme une grosse caca boudin. De Tiawe maudite fofolle. Bref, donc voilà, bah, j'espère que j'ai pu répondre à toutes tes questions, Franck. Même si j'ai répondu un peu à... Ah tiens, des trucs en plus. Pourtant, j'ai rien payé. Bref. Bref, on s'en fout. Donc, on va mettre préférence de cartes, on va mettre... Non, j'aime pas la prison, je préfère Tampa Bay. Et puis on va mettre prêt. Même si j'aime pas trop Tampa Bay quand même. Enfin bon. On verra bien. Donc voilà. Session en cours de chargement.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pris Pépito tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais prendre El Barbu, l'homme de Cro-Magnon. Voilà. On va l'appeler comme ça, le gars qui te crache sur la gueule une fois qu'il t'a bien tué, arraché. Regardez ça. C'est vraiment l'homme de Cro-Magnon. Donc voilà. J'adore sa provocation, elle est marrante. Genre il se tape le front, quoi. Genre, ouais. Moi, force. Moi, faire œuf au plat, sur tête. Moi, pas comprendre comment ça fonctionne. Alors, allez, c'est parti. Ah, en plus, il pleut. C'est rare, ça. Enfin, en tout cas, dans le mode multi. Alors. Il y a un autre barbu que je dois chercher. Ah. Ah, ah, ah. Alors. Ah. Ah, ah. Qu'est-ce que tu croyais, mec? Je t'avais vu. Tu faisais des petits zigzags, là, genre. Tu veux faire la lambada avec moi? Hein? Ça que tu veux? Non, mais. Alors, le mec, il s'y croit, quoi. Bon. Alors, où est-ce que. Ah, c'est elle. Merde! Bon bah voilà. Hein. Un coup de grâce. Elle m'a bien eu parce que j'aurais pu me douter que c'était un PNJ, mais bon. J'étais un petit peu. Désorienté. Donc lui. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est... Ah. Ah, le bâtard, il m'a vu. Ah, pourquoi t'es revenu? Fallait pas revenir, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Alors... Là, ça se passe déjà un peu mieux. Donc, on va voir, on va monter un peu ici à... Parce que souvent ils sont... Voilà. Ah merde, il est mort. Il était où? Bon, ben, je l'ai pas vu. Ah merde, j'étais sûr. Le mec il marchait genre, ouais je vais te tuer, salut à toi. Eh ben non, je t'envoie une patate quand même dans les dents. Et tu me tues mais je t'envoie une patate quand même dans les dents. Bref. Alors. Lui? Non c'est pas lui. C'est pas lui. Il est cet enfoiré. Le voilà. Bien, dans le cul. Ah, ça c'est bon ça. Il est là. Ah! Ah, mais tu croyais quoi, mon pote? Tu croyais quoi? Je t'avais vu déjà.
Enfin non, c'est pas vrai. J'ai appuyé sur carré en me disant qu'il est à côté. Donc voilà. Mais c'est pas vrai, je l'avais pas vu. Là, j'avoue, j'aurais pu me faire avoir. Donc on va mettre un petit une petite mine. On va attendre que mon pote qui me suit vienne derrière mes traces. Ah le voilà, c'est lui. C'est lui, c'est sûr. Là, il y a la meuf. Voilà. Et je me remets à mes ancêtres. Tiens. Ah, c'est pas bien, Sergio. C'est pas bien, Kizo. Ah, je suis trop un enfoiré. Ah. Ah, le voilà. Merde. Tu fais avoir. Rêve. Maintenant, je m'enfuis. Merde, pas là. Ah merde, je me fais avoir. Je savais même plus où je devais aller, je suis bourré en fait. En tout cas, les deux premières parties se sont mal passées parce que je parlais beaucoup, j'essayais de me concentrer sur ce que je disais, et puis là, depuis que je me concentre un peu plus, ça va un petit peu mieux. Ah, allez. Là, c'était du bon, ça. Là, je pense que c'est mon ennemi. Tiens. M'en fous. On se provoque tous les deux, tu sais. Ah là là, j'adore. Alors, le plus ironique, ça serait que. Ah, je pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. Et en plus, ma proie est venue à côté de moi. Ça, c'est génial, ça. Vraiment. C'est ce qui s'appelle avoir du bol. Et puis voilà, j'attends, hein, je vais mettre ça, histoire de... On va se mettre là. Merde! J'aurais dû le marquer, en fait. Et j'ai voulu m'assurer que je pouvais repartir assez vite. Enfin bref, j'ai fait du n'importe quoi. Ça arrive. C'est comme ça. Et pas autrement. Alors, on va voir si on retrouve ma meuf préférée. Le personnage Black Brand. Yeah man. Yeah. Et ben voilà. Notre cher ami là. Alors où est-ce qu'elle est, ma belle princesse des îles? Elle est là. Tiens. Arrange-toi avec les autres. Ah, il est où lui? Ah. Ah, il est pas là. Ah, il est là-bas. Je viens de le voir. Je l'ai vu. Il est là. Il reste une minute.
J'avais marre. Ah putain, j'aurais dû le laisser. Il allait le tuer en plus. Bon. Soit on peut pas savoir, hein, ma foi. Ça arrive. Ah, ça fait du bien quand même d'avoir une belle partie à vous montrer parce que franchement. Oula, oula. Ah merde. Massacre. Ah. On va attendre. Parce que là... Yeah! Eh ben donc... C'était une belle partie, cette dernière partie, quand même. C'était pour m'excuser des deux premières parties qui étaient vraiment pas fameuses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça a été un vrai plaisir. J'ai fait du 11-6 quand même. Premier, il était à 7000 points. C'était le mec là qui était assez fort quand même. Bravo à lui. Et bah voilà, hein, ça arrive de faire des mauvaises parties dans une journée. Et bah là, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est ma première partie de la journée. Hein, je dirais même des 4 jours. Des 4 jours qui ont passé parce que j'ai pas touché à la PlayStation 4 depuis 4 jours. Beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Et là on va passer à la citation célèbre. Elle nous vient de l'artiste écrivain Oscar Wilde. Il a dit: le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit. Donc voilà, c'est une citation quand même assez célèbre, j'avais déjà entendu auparavant, et voilà, hein, céder à la tentation, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et donc voilà, c'était Kizou, je vous aime beaucoup, je vous fais des gros becs, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye bye.